Ça fait quand même quelques années qu'elle est écrite. Merci pour le follow. Au départ, ça devait pas être un jeu, mais un manga. Sauf qu'en fait, quand j'ai voulu commencer le manga, j'ai fait les premières pages, encore et encore, et puis je me rendais compte qu'en fait, j'avais tellement de textes que j'avais pas assez de cases pour. Je lui dirais merci, y a pas de souci. Donc j'avais pas assez de cases par rapport d'images par rapport au texte, donc j'ai fait laisse tomber. Je vais pas savoir en faire un manga. Et comme je suis fan de ce genre de petits jeux, je me fais bah pourquoi pas. Finalement, bah ça se prête parfaitement. Ah oui, c'était les cheveux d'un régal, c'est très bien. Pas besoin. D'ailleurs, Neria m'avait dit qu'il passerait un de ces quatre. Ça presse pas. Je vais pas m'envoler. Oui, bien que. Et puis le manga, c'était. J'avais commencé, j'avais 3-4 pages. Et je l'ai transporté à ce moment-là. Oui, j'ai vu qu'il me hostait. Je l'ai transporté dans une valise et j'ai eu un petit accident avec la valise. J'avais une bouteille d'eau, encore heureux que c'était que de l'eau, pétillante dans la valise et elle s'est mystérieusement renversée alors qu'elle était complètement fermée. J'ai jamais compris pourquoi, comment ça s'était passé. Et mes pages ont un petit peu beaucoup pris l'eau. Ainsi que tous mes cours qu'il y avait dedans, bien sûr. Elles ont résisté, mais elles ont pris l'eau quand même. Donc, c'était un signe. Il ne fallait pas que je fasse un manga. On a presque fini. Valérina. Ah non, c'est celui-là. Ça vient là. Oh, et surtout que là, elle était quand même bien fermée. Le perso à droite. Je veux dire elle? Non, non, sa jambe est ici en fait. Sa jambe, elle fait ça. À peu près.
C'est juste comme ça, on voit pas qu'il y a un bas ici. Nouveau dossier. Il y a un thé à Linehart. Et on fout tout dedans. Là, c'est pareil. Nouveau dossier. Linehart. Et on met tout dedans. C'est parti pour la colo. Ouais. J'avais fait quoi pour ses cheveux encore?
De quoi? Laquelle? La formation en artistique? En effet, tellement. Artistique, j'ai pas fait Saint-Luc, j'ai été dans le Hainaut et faire mes études artistiques dans une haute école à Saint-Guilain, quelque part près de Mons. J'ai failli aller à Saint-Luc. Mais ils m'ont fait un méchant coup, on va dire. Ils m'ont fait genre, vous venez à tel examen uniquement pour l'examen d'entrée. C'était dans le secondaire en plus. Et ils m'ont piégé parce que j'ai pas fait tous les examens alors que j'avais la preuve A plus sur noir sur blanc que je devais pas passer les autres, apparemment. Mais bon. Du coup, ça m'a un petit peu dégoûté de Saint-Luc. J'ai fini par trouver une autre école, donc. Finalement, pas plus mal. J'ai une amie qui a été à Tournai. Je crois que elle a pas aimé. Mais bon, c'est la manière dont ils traitent les élèves, apparemment. C'est très élitiste. Je peux comprendre d'une certaine manière pour éviter qu'il y ait des gens qui se disent ouais, l'art c'est facile, je vais faire ça et qui finalement ne foutent rien entre guillemets. Pour les gens qui sont réellement motivés, pas sympa quoi. Ah oui, c'est génial, moi j'aime bien. Ça dépend où tu vas. Ah, moi je parle de Saint-Luc-Bruxelles, donc c'est même pas encore la même chose apparemment. Mais je peux comprendre, je suis passé de Bruxelles à Saint-Guilain. C'est un énorme cliché ce que je vais dire, mais je suis contente d'avoir vu Bienvenue chez les Ch'tis juste avant. Je comprenais pas mal de ce qu'il disait du coup. Mais je suis faite, hein. Garder certaines impressions. Puis bon, maintenant que je suis à Liège. Pas vraiment la même teinte, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette teinte-là.